J'ai fait un doigt sur le stream. Bon, sans check. Ouais, c'est bon, je m'entends. J'entends le jeu. Parfait. C'est comme ça qu'on commence un stream, voyons. Donc, on envoie le tweet. Les messages. On mute ce chat parce que ça va me notifier et j'aime pas ça. Voilà, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Pas tout aujourd'hui. C'est censé être un peu chill. Je vais vérifier le son du jeu. Le son du jeu devrait être bon. Ouais, le son du jeu a l'air bon. 6, c'est trop fort, il faudra me le dire. Si je continue à m'entendre en double, ça va pas être bon. Donc, voyons voir. Ça c'est bon. Ça on verra. Ça c'est bon. On va peut-être baisser un tout petit peu la musique quand même. Et voilà. Oh. Sauf que ça m'embête, pas... Pourquoi est-ce que c'est rouge, bleu, vert et pas rouge, vert, bleu? Ah... Bon, allons-y. Commence avec le rouge. Ah, c'est des sauvegardes. Je fais un nouveau coup de caractère? Ouais, allez. D'habitude, c'est trop long. Oh, 97, c'était il y a toute une éternité. Donc, ouvrons les cartons. C'est bien, j'ai pas besoin de cutter. Ah, donc ça va être on clique et on clique, on clique et on clique. Wait, pourquoi est-ce que j'ai un petit poney? Ok, j'espère qu'il y a du gunpla là-dedans. Ah! C'est pas du gunpla, hein. C'est pas ma chambre. C'est définitivement pas ma chambre. En plus, il y a un Tamagotchi. J'ai jamais eu de Tamagotchi. Nice. Oh, et on peut ouvrir ça. Parfait. On va mettre la radio ici, le cadre ici. Ah, mais il y a un bureau là au fond. C'est donc ça. Donc on doit les poser comme ça pour pouvoir les poser sur la tranche. Ah, mais ça en fait des choses. Mignon.
Ok, ça aussi c'est mignon. Fond de caméra. Oh, c'est une. Ok, c'est une caméra. Ok, bon, bah on dirait qu'on va organiser tout ça. Moi je dis les peluches sur le lit, c'est pas mal. Comme ça on dort bien entouré. Voilà. Salut Croque-Mou, ça va? Quoi de beau? Longue journée? T'as vu, moi aussi je fais du rangement. Par solidarité. Y a rien d'autre qui va là-dedans? Ah, on pourrait mettre les. Ah non, les crayons n'y rentrent pas. Ah, on peut peut-être pas empiler ça. Et ouais, j'imagine. Les gens qui décident de disparaître d'un coup, magiquement. Bon, en même temps, tu m'as dit le gars il avait une raison, mais c'est embêtant. Même quand il a une raison. Bon, on va mettre le petit chien ici. Ah, on peut pas l'afficher sous le lit. Peut-être que ça rentrait pas. Ah bah ça. S'il pouvait pas vendre de rêve, qu'est-ce qu'il ferait? On sait tous qu'ils font exprès de vendre du rêve. C'est leur activité préférée. Bon, après je dis ça quand même, encore une fois, le gars il a peut-être une bonne raison, mais. Ça se planifie pas comme ça, en mode surprise de. Eh, au fait. Voilà. Voilà, on ferme ça. On va mettre un livre ici, là, comme ça. On va mettre ça ici. On va ranger ça. On range ça là. On range ça là. Toujours à portée. Quatre jours et c'est le week-end. Si seulement c'était aussi simple. Si seulement c'était aussi simple, pourquoi est-ce que il a deux poneys? Voilà, on va cacher les poneys avec des figurines un petit peu mieux. Donc ça, visiblement, il n'est pas au bon endroit. Peut-être qu'il faut le mettre dans le tiroir. Voilà, on peut le mettre dans la poubelle, non? Eh oui, ça doit être ça. Ok, c'est ça, il y a des endroits, ils vont à des endroits. Ouais, mais bon, c'est pas exactement caché là dans le tiroir, je veux dire. S'il faut le cacher vraiment, il faut.
Moi, je dis, il faut faire un double fond dans le tiroir, au moins quelque chose comme ça, ou tu sais, peut-être le cacher derrière un cadre ou dans une peluche. Je veux dire, si on traite ça comme si on était un agent secret, il faut y aller jusqu'au bout. Donc ici, je sais qu'on peut faire des trucs comme par exemple prendre des photos du truc, ajouter des stickers. Wouah. Peut-être pas ce cadre. Oh, impressionnant. Waouh, on est vraiment en 8 bits là maintenant? Ouais, mais bon. Marie-Thérèse, elle a pas l'âge pour avoir des droits, voyons, ça doit être ça. Bon, on peut pas changer ça, parce que c'est pas ma chambre. Il y a des trucs j'ai jamais eu de Tamagotchi. Plein de trucs que j'ai jamais eu là-dedans. Plein de trucs que je voulais pas aussi. Oh, ça commence à être ma chambre. Avec le bon gros écran comme ça là que j'avais, je me rappelle. Un bon 1280 par 1024 en au moins 90 Hz, il me semble. Le rêve. L'absolu rêve. Et j'ai une salle de bain, oui, j'ai une salle de bain. Et j'ai une cuisine avec deux plaques, un micro-ondes, réglé sur une heure qui n'est pas maintenant. C'est juste le hasard. Bon, il y a des prises. Mais bon. Ça, c'est quoi? C'est un poster, murmure, je sais pas ce que c'est murmure, mais on va le mettre sur le mur. Le livre. Des livres, des crayons de couleur. Vas-y, y a quoi dans le placard? On vérifie. Rien dans le placard, pas de cadavre. Tiens d'ailleurs, toi, accroche. Les étagères sont assez stylées. On peut pas interagir avec ça. J'aime pas, il y a les voisins là qui peuvent voir dans chez moi là. Je veux pas qu'ils sachent que je ne sors jamais. Au moins la couette est rouge, c'est déjà sympa. Les chaises bougent pas. Ah, il y a une trace de chaise au sol. Remboursé. Bon. Les livres, on peut déjà commencer à en ranger quelques-uns. Crayon de couleur. C'est pas un tiroir là-dessous. Bon, on va quand même poser ça là. Donc, ici, on a la tour. Ouais, mais la ventilation, elle est sur le côté. Pourquoi est-ce que la ventilation est du mauvais côté? Ça fonctionne pas comme ça. Remboursez-moi. On peut pas allonger la tour? Bon, on peut pas allonger la tour, tant pis. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces PC en fait qui étaient allongés à l'horizontale. J'ai toujours trouvé ça très classe. Mais j'en ai jamais eu. Toujours une tour normale. Waouh, le voisin d'en haut qui court. Ils ont des enfants maintenant. Ça, la brosse à dents, elle va aller là-bas. On va pas les laisser par terre, même si. C'est pas à moi, c'est pas ma chambre. Je ne cache rien. C'est pas à moi, c'est pas ma chambre, je ne cache rien. C'est pas à moi, c'est pas ma chambre, je ne cache rien. Je savais pas que c'était pas ma chambre. Mais je crois que le personnage de ce jeu, qui a une passion pour le déneigement, est une madame. Sérieux, on peut pas mettre la peluche sur la tour? On peut pas mettre la peluche là-haut? Ah, remboursez-moi.
Wait. C'est quoi ça? C'est un livre? C'est pas un livre? Ça fait pas un bruit de livre quand on le pose? C'est un jeu? C'est un DVD? Oh, un porte-document. Peut-être des trucs importants. Sérieux? Ouais, c'est pas assorti là. Ça, c'est pour la tête. On les met sur la tête. Grippa, va ici. Je sais que on pourrait faire du Grand Hot Day et faire ça. Ok, d'accord. J'ai eu un achievement parce que j'ai mis une grille pain dans la baignoire. Peut-être que j'essaierai un peu plus tard. Et que moi je suis plutôt du genre à prendre ma douche le soir. On va mettre ça là. Voilà. Ah non, il y a la prise devant. On peut pas mettre ça là. On doit mettre ça là, comme ça. Parce que s'il y a la prise devant, ça va gêner quand on va brancher un sèche-cheveux. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est... C'est... Non. On peut pas ouvrir le miroir? C'est pas... Bon. Bon, sèche-cheveux, on va poser ça sur le côté. Ça, c'est définitivement un gel douche Sanex. Ça, c'est une trousse de secours. Pourquoi est-ce que... Promis, j'en savais rien. C'est... Ok. Voilà. C'est quand même un gros rouleau de PQ, hein. Et il y en a un deuxième. Oh, ça c'est une grosse serviette. Ouais, mais... je sais pas. Je vais mettre celle-là là et celle-là là, la petite ici. Ouais, pour le saignement de nez. Tout à fait, le saignement de nez. La petite poubelle qu'il ne faut jamais ouvrir quand on est un homme. Pourquoi est-ce qu'il y a une poêle à frire là-dedans? Ouais, oh, t'en fais pas, hein, le cup, on va pouvoir improviser ça. Bon, on enlève ce truc d'ici. Le frigo, on peut pas l'ouvrir. Le micro-ondes, on peut pas l'ouvrir. C'est marrant, ça, l'heure a changé, mais elle correspond pas à l'heure d'ici. Et à la limite, si tu veux le cup, il y a ça. Ça, c'est un mug, mais on peut aussi appeler ça un cup en anglais. Bon, on a même la petite là, comme ça, d'expresso. J'ai pas de machine à expresso. Je crois pas, hein. J'ai un bol, j'ai un deuxième bol, j'ai une deuxième assiette. Ça me trigger. Wait. Voilà. Non, c'est comme ça que je veux les faire. Voilà. Oh. C'est un peu moisi là, hein. J'espère que c'est pas moisi, hein. Alors, chez moi, je mets les fourchettes au milieu et je mets les couteaux à côté. Et les cuillères en bas. On peut pas le mettre sur une des poignées. Non, bien sûr que non, on peut pas le mettre sur une des poignées. Irréaliste ce jeu. Tellement irréaliste. Pourquoi il est là, mon clavier? D'ailleurs, il est pas très stylish, hein. On dirait un modèle M, mais avec une touche. Touche violette. J'aime pas trop ça. Ça c'est la salle de bain. On va mettre ça ici. Ouais, mais non, je veux pas mettre des trucs devant la prise comme ça. C'est ensuite qu'on va y accéder. Une assiette. Un bol. Un verre coca. Un vrai couteau. Schwarzenegger serait fier de moi. Du produit vaisselle.
produits anti-cafard, on met ça sur l'étagère du bas. Une presse à croque-monsieur, meilleur truc, meilleur investissement. Tout le monde devrait avoir une presse à croque-monsieur, et en plus on peut faire des gaufres avec. Planche à découper, on peut pas la mettre sur le côté, parce que là, la mettre à plat, c'est un peu... ouais, ok. Ouais, on met ça là pour le moment, on met ça là pour le moment. Ouais, non, ça c'est de l'huile d'olive. Sac poubelle, on va les mettre là. Moi, je fais que les jeter comme ça dans le truc sous l'évier. Comme ça, c'est fait. On va mettre la spatule là. On va mettre ça là. On va mettre... c'est quoi ça ? Ouvre-boîte. Éponge, on met une éponge ici. Ah, la bouilloire. Donc, le simple fait qu'il y ait une bouilloire ici, ça me donne envie de dire que finalement, la personne qui vit ici n'est pas de totalement mauvais goût. Pourquoi est-ce que je mets des trucs par terre? Je devrais pas les mettre par terre. Tasse rouge. Un verre peinte, peut-être. Une petite assiette, une autre petite assiette, encore une petite assiette. Comment ça on peut pas empiler les petites assiettes sur les grandes? Le réalisme, mesdames et messieurs. Du sel. Visiblement, un gamer est passé par là. Du café. Du sopalin. D'ailleurs, autant mettre le sopalin au bon endroit. Je veux dire, tout le monde le sait. Le sopalin va là. Donc, maintenant qu'on a tout sorti, est-ce que tout est bon? Tiens, pourquoi il n'y a pas de dentifrice? Il est où le dentifrice? Pourquoi il n'y a pas de dentifrice? C'est inacceptable. Il est dans la chambre? J'ai mis le dentifrice. Ah, c'est du dentifrice ce truc. Ah mais y a pas la place pour mettre le dentifrice. Maintenant on va mettre ça là et on va mettre ça là comme ça. Puis ensuite ça là comme ça. Puis ça là comme ça. Puis je sais pas pourquoi le parfum est là sorti. On va même le mettre là. Non, on va le mettre là. C'est mieux là. Sauf comme ça, ça. Non mais non, parce que si on branche un truc et qu'on fait tomber le parfum, on va le casser. Et si on casse le parfum, il pourrait coûter cher. Donc on va le mettre là. Et on va mettre la brosse ici, parce que la brosse on peut la faire tomber, ça fait juste chez les voisins du dessus. Donc ça c'est bon. Ça, ça doit être du fil dentaire en fait. Ok, je sais pas pourquoi j'ai qu'une chaussure d'ailleurs. C'est bien ce que je disais, il y en a deux. On va mettre ça ici, comme ça on les range bien. Le mannequin, on le met à côté du livre. Ouais, il change de... ouais, allez, comme ça, dab. Le gamer move. Est-ce que les deux vont rentrer, là? Ouais, les deux vont rentrer. De la musique, ici. Oh, il y a encore plein de cartons à ouvrir. What the... ouais, ok, close enough. Attends, non, non, je voulais pas attraper la chaussure. Ouais... non, attends, mais c'était une chaussette, ça? Ah, je sais pas, j'en saurai jamais tant que je le déplie pas. Non, ça doit pas être des chaussettes. Probablement pas des chaussettes. Ça c'est un cadre. Ok, ça c'est peut-être des chaussettes. Oui, j'ai trouvé la souris. Pas de tapis de souris, mais c'est pas grave. On peut faire sans. Le sac, sa place est tout simplement sur le lit ou par terre. Hein.
par terre. On mettra ça par terre ensuite. Ouais. La richesse. Pourquoi est-ce que j'ai un ballon? Je suis un gamer, pas un sportif, voyons. Ah, 12h? 12h16. Quelque chose m'a dit que c'est pas synchro. Waouh, ces hauts sont vraiment moches. Tour Eiffel, bien évidemment, hein, ça c'est le tour. Ça c'est littéralement le gars qui vient de Paris. On n'achète pas ça dehors, on achète ça à l'aéroport. Parce que voilà. Tout le monde a une tour Eiffel. Ouais, ça c'est les pyjamas, autant mettre les pyjamas ensemble. Sérieux, il y en a de partout. C'est pas des chaussettes. Ok, c'est peut-être un peu des chaussettes. J'ai des livres, hein, j'ai beaucoup de livres. Ça commence à être un peu inquiétant tous les livres que j'ai. Je vais finir par croire que je suis instruit. Ok. Donc là, il y a plein d'objets qui sont au mauvais endroit. Donc ça, on va dire que c'est peut-être pas un journal intime, je sais pas. On va mettre le chat ici. Le cochon. Bah non, on va mettre le cochon à la place. On mettra le chat sur le lit. Bah non, le chat. Le chat y rentre. Le cochon, non. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-haut? Ça là, des livres sur de l'athlétisme, sans doute. Le tapis de souris. Ah, mais c'est irréaliste si je ne peux pas garder le. Ils veulent pas que je laisse le sopalin près du PC. Où est le réalisme, voyons? Rendez-moi le réalisme. La tour Eiffel, elle a sa place là-bas. Non, ça passe pas dans la table de chevet. Et de toute façon, pourquoi devant la table de chevet, c'est devant le PC? Donc, on va mettre. Donc, ça, c'est des DVD, on dirait. Là, on avait Donnie Darko. Ouais, dans l'autre sens, hein. Ils sont pas dans le bon sens. Il est comme ça, Donnie Darko? Ok, bah. Ok, on met ça là comme ça. On fait semblant qu'on peut mettre les crayons ici, devant l'écran, ou entre l'écran et la tour. Voilà, on laisse un petit peu d'espace. Avec une gomme, c'est marrant d'avoir une gomme alors que on a. Enfin, ça c'est quand même de la grosse gomme, quoi. Regardez le pot de crayon à côté. C'est genre, ça me fait penser là à ces portefeuilles. Que certaines dames avec beaucoup d'argent ont. J'appelle ça les portefeuilles baguettes. Parce qu'on peut littéralement faire rentrer une baguette dedans. On va ranger ça là-haut. Ah non, on peut pas le ranger là-haut parce qu'on doit ranger d'autres trucs. On va mettre les pyjamas là en bas. On va mettre le sac là ici, comme dans la vraie vie, comme dans chez moi. On peut vraiment pas mettre les. Bon, on peut les afficher, ok. Pourquoi est-ce que j'ai une photo de singe? Je ne sais pas. Est-ce que mon personnage est un furry? Peut-être. On va mettre ce livre là. Un livre d'une taille différente ici.
Voilà. Ouais, mais non, la couleur elle est pas bonne. On va le décaler un petit peu là, comme ça. Ah, même là, ça me trigger un peu en vrai. Ok, ça on va le mettre là, on va voir. Ouais, allez, c'est bien. Tiens, tu sais quoi? On va le mettre là, juste parce que voilà, on peut. On va mettre ça là, on va mettre ça là, même si ça n'a pas vraiment sa place là. Ça, on va le mettre là. Rubik's Cube devant l'écran, mais ici. Une règle, parce que pourquoi pas. Le ballon, on va le mettre en haut. Du coup, ça va être marrant quand on va ouvrir le placard et qu'il va nous rouler sur la gueule. Et on va mettre le cochon sur le lit et on va mettre la petite figurine ici. Voilà. Donc la salle de bain, il y a des trucs qui sont pas bien mis dans la salle de bain. On va mettre ça là comme ça. J'aime bien mettre les choses dans le coin. C'est bien. Savonnette ici. Ah, on peut pas mettre la savonnette là en bas. J'aurais voulu que mon personnage associe la savonnette, on la met ici. Non. Pourquoi une savonnette? J'ai déjà des gels douche. C'est bien les gels douche. Donc, ici, on veut que je bouge des trucs. Donc, on va mettre ça ici parce que ça rentre ici. On va mettre un des grille-pains proche de la. Ah, c'est une boîte à cookies. On va mettre ça là. Le sucre est ici. Ok, donc le grille-pain, on le met dans le coin. On s'en sert pas des tonnes. La bouilloire, on la met ici. Ouais, on va ranger l'huile d'olive là-bas. On va mettre ça ici. On va mettre l'ouvre-boîte ici. On va mettre la spatule ici. L'autre spatule ici. Le jeu-chiette comme ça. Je crains que l'huile soit accessible, quoi. C'est la moindre des choses. J'aurais voulu que les assiettes soient accessibles aussi, parce que j'ai tendance à utiliser plutôt les petites assiettes. Je préfère énormément les petites assiettes. On met le cut ici. Bon, on va mettre le café ici, même si je suis pas café. Ah, on peut pas ranger ça là? Ok, on peut pas ranger ça là. Ok, d'accord, c'est noté. Ah, c'est marrant. Bon, on va mettre ça là-haut. Comme ça dérange personne. C'est un peu mieux comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, passons à la suite.
Oh, je vais à l'université. Les choses. Et on peut enregistrer le GIF aussi. Donc je vais l'enregistrer. Ça enregistre encore plus rapidement. Vas-y, là, ça aurait dû durer quelques secondes. Mon PC, c'est un beef PC. Nice. Voyons voir à quel point le GIF est fat. Ah ouais, 3 mégas quand même le GIF, hein. Ouais, 3 mégas le GIF, pas mal. Donc, où est-ce qu'on va maintenant? 2007, waouh! Ça y est, je fais du cosplay maintenant. Bon, bah, si je vais m'habiller en Sailor Vénus, pourquoi pas. Ah, la vaisselle est pas faite! Faut faire la vaisselle. Ok, ouais, cabine douche, pas mal, pas mal. Mais beaucoup de produits là. Hein. Ok, une chambre. Ah, c'est ça, il y en a partout. Mais il y a du gunpla. Il y a un God Gundam. Je crois que c'est un God Gundam, ça. C'est vrai que je demande à quelqu'un. Je vais demander à quelqu'un. Quelqu'un qui arrête pas de me dire de regarder Gigundam. Ok, ensuite, ouais, bon, voilà, le truc classique. C'est un caméléon qui est là-dedans? J'espère que c'est un caméléon. Ok, bon. Ah, ça en fait des salles. On dirait, ça se trouve, c'est une coloc. Alors, je peux pas tout déplacer, je dois ranger seulement là où il y a la place. Donnie Darko. Des livres. Une mise à jour iOS. Wait, mise à jour iOS. On va coller ça ici, ça a l'air d'être le bon endroit. On va coller ça ici, c'est pas le même type de manette, mais c'est pas grave. Oh, c'est une GameCube. Avec... on peut apprécier quand même le design de cette GameCube. Les ports pour les manettes, là comme ça sur le côté. Et les ports cartouches pour les cartes mémoire sur le côté aussi, c'est intéressant. C'est un joli design, hein. Ah, mais du coup, c'est pas totalement un cube, c'est un rectangle. Bon, on va la mettre ici. J'aime bien la GameCube, elle me manque. Et par elle me manque, je veux dire, je peux totalement l'émuler, c'est pas un problème. Mais c'est quoi ce jeu? Ah, Mario Kart.
Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On a vu quoi? Les Simpsons. Ok, ça va dans la cuisine. Ça, c'est quoi, les Sims? Ah, les couleurs, ça fait un peu Minecraft, hein. Ah, mais c'est un DVD. Et les DVD, on va les mettre sur l'étagère, là. Parce qu'il y a un truc pour faire défiler... Voyons voir les touches. Ouais, je peux pas arriver à une des touches d'ici. Tant pis. Je voulais savoir ce que c'est les touches pour passer entre les zones. D'ailleurs, j'aimerais juste dire que ça, c'est appréciable pour l'accessibilité. Autoriser les items n'importe où. Mais ça facilite un peu le jeu. Ça, c'est quoi? Ouais. Avec le DVD. Ça c'est un jeu de société. On va mettre ça à côté de la totalement pas une PS2. Je crois que c'est bon. Ouais, ça a l'air bon pour cette salle. Donc la cuisine avec le gros frigo massif que je ne peux pas ouvrir mais que j'ai vraiment envie d'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, il y a des couverts, il y a une passoire. Ok, ouais. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là même si... Non, tu vas aller là en attendant. Oh, ça je peux l'accrocher où? Vas-y, je peux l'accrocher où? Je peux l'accrocher nulle part. Inacceptable. Salut Azu, ça va Kodbo? Toujours sur tes shiny? Ah, cookie jar. Et non, je ne veux pas de cookies, je les refuse. Vous n'aurez pas mon consentement. Le couteau, on va peut-être le mettre ici, s'il y a la place. Ouais, ça rentre. Je ne mettrai pas le couteau entre les pinces et la passoire, parce que moi, ma logique, c'est si je veux attraper quelque chose, c'est pas là où je mettrai le couteau. Le couteau, je le mettrai plutôt, en fait, ici, avec les... Comme ça. Peut-être mieux. Vas-y, c'est quoi ça? C'est un porte-clés. Tiens d'ailleurs, Azu, dis-moi, est-ce que on a bien un God Gundam ici? Parce que là, il y a un discount Eva, on va dire peut-être 0,3, avec un color swap un peu foireux. On dirait pas, non? Je sais pas, les pixels de la tête, c'est vrai que ça fait un peu Zeta, mais avec les ailes là derrière. Peut-être que je confonds. Bah, c'est pas grave. Ah, un petit cœur. Pourquoi est-ce que j'aurais des petits cœurs dans des boîtes comme ça? On va poser ça là, on va poser ça là, on va poser ça là, on va poser ça là. On va poser ça là. Une gourde. Serviette. Ah, la presse à croque, monsieur. L'item que tout le monde devrait avoir chez eux. Donc, on va poser ça ici. Ça, on peut le poser là. Ça, on peut le poser là. Ça, on va le poser là. Je crois que là, on est bon. Ça, où est-ce qu'on peut le poser? On va le poser là-haut. On va mettre les petites assiettes avec les petites assiettes. On peut faire ça. Ok, bah on va empiler. On empile. On empile. On empile. Presse à croque, monsieur, on va la mettre hors de portée là-haut. Je sais, ça n'a pas de sens. Eh oui, peut-être avec les ailes pliées, je t'ai dit. Hein. Je ne suis pas totalement fou.
Non, mets pas les brosses à dents par terre, il faut pas, c'est mal. Dentifrice, ouais, ok, un deuxième dentifrice, pourquoi pas. Un deuxième rasoir. Ah, mais le rasoir est bleu, ça veut dire que c'est les affaires d'un monsieur. Un coupe-ongle, même si moi le coupe-ongle, je le mettrais peut-être pas là. Ah non, mais c'est pas un monsieur avec une trousse comme ça. Hein. Jolie trousse transparente, non. Jamais de la vie. Du fil dentaire. Un parfum, ouais, c'est pas la trousse d'un monsieur. Le gratte d'eau. Le gel douche. Le gel douche. Pas sponsorisé par Sanex. Effectivement, c'est pas un monsieur. C'est pas un monsieur. Et le. Voilà. Ah, enfin ce qu'il faut. Donc. Alors, je continue de dire que, ouais, niveau ventilation, vu que là on le voit pas, mais il y a le ventilo sur le côté, c'est pas top de le mettre là. C'est un couple et deux couleurs de rasoir. Bon, le schizo. Ouais. Ça pourrait. Je continue de penser quand même que le personnage est un furry. On va mettre ça là-haut. On va mettre ça là. On va mettre ça là. C'est clairement pas des feutres à Gundam, j'en suis certain. Parce que j'en ai jamais vu autant. Dans un si petit endroit. Ouais, mais il n'a pas de table de chevet, donc on va mettre ça sous un écran, sous l'écran. Ah ouais, on peut pas mettre ça sous l'écran. Ok, d'accord, ouais. Ranger ça là-dedans. On va ranger ça là. Non. Ok. Non. Faire attention sur quoi je clique. Ok, du JDR. Ah, c'est un artiste. Bah ouais, ok, d'accord, c'est confirmé. Mon personnage, c'est un furry. Il dessine des furries. Par contre, il a conservé son clavier. Ça, c'est comme mon frère. Mon frère, il utilisait un vieux clavier comme ça, un équivalent d'un modèle M, mais pendant des années. Il aimait beaucoup parce qu'il trouvait que c'était bien de ne pas avoir de touche Windows dessus. Littéralement un non-problème au passage. La touche Windows, ça fait des années qu'elle pose pas de problème à partir du moment où tu gères ton placement de doigts. Mais bon. Ouais, allez. Ouais, allez. Frisbee, pourquoi j'ai un frisbee? Pourquoi est-ce que je devrais pas mettre les chaussures sur le lit? C'est des chaussures d'escalade, c'est quoi ça? Casquette. Ouais, il fait de l'escalade. Non, encore. Elle fait de l'escalade. Ouais, par terre. Par terre, par terre, dans la cuisine. Ouais, ok, je vais mettre ça dans la cuisine, mais je peux mettre ça nulle part dans la cuisine. On va mettre ça à la salle de bain, ici. Non, on va mettre ça ici, voilà. On peut même mettre le parfum, parfait. On peut mettre le fil dentaire, parfait. Ça n'a pas de sens parce qu'il va falloir qu'on mette la brosse à dents en trop. La brosse à dents en trop. Le dentifrice en trop.
C'est vrai qu'on a tout ça. Ah, on pourrait mettre le dentifrice. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. On va mettre ça là comme ça. On va mettre ça là comme ça. On va ranger les choses. Voilà, on range bien les choses. On va me dire que de toute façon, il vaut mieux que le parfum reste sorti. Donc, on va laisser sortir. Voilà, comme ça. On retourne à la chambre. Ouais. Peut-être des chaussettes en fait. Mais j'ai comme un doute. Non, c'est pas des chaussettes. Je reconnais. Mais qui c'est qui met plein de chaussures différentes dans le... Toutes ces chaussures au même endroit. Définitivement pas un monsieur. Enfin, on juge pas, hein. Après tout, il y a un mime quand les garçons se loguent sur Discord. Un tapis. Ah, ça c'est clairement un pyjama. Clairement un pyjama. Ok, on a un set. Ça c'est pour la salle de... Ça c'est pour les toilettes, salle de bain. Il y en a déjà une. Bon, une deuxième ça peut pas faire de mal, hein. Je sais pas comment ça fonctionne. Je ne veux pas savoir. Ah, une Game Boy Advance. Et des jeux Game Boy Advance. Encore ce livre-là. C'est bien, notre personnage garde ses livres et en prend soin. C'est important de prendre soin des livres. Bon, cette peluche, elle est moche. Ça, c'est... bon, allez. On va mettre ça ici. C'est pas que des chaussettes, hein. Porte-document. Clairement pas que des chaussettes, hein. On va les réorienter maintenant. C'est orienté. On va mettre le porte-document ici. On va le cacher. Non, on va mettre le tapis maintenant ici. On va accrocher des trucs. Donc ça, c'était quoi? Non, ça on peut pas l'accrocher. On va accrocher, on va accrocher. Ça ressemble à un pyjama, ça. Sinon, crois-moi, comment ça se passe le rangement chez toi? Slash ménage. T'avais dit que t'allais en faire aujourd'hui pour te défouler. On va mettre les haltères ici. Quoique, on pourra en mettre une à côté du lit, hein, on sait jamais. Imagine qu'il y a quelqu'un qui vient, qui rentre au milieu de la nuit. Je veux dire, il faut avoir de quoi se défendre. Un coup d'haltère en mode akimbo, une dans chaque main. Bon, voilà, on met ça là. Le frisbee. On va mettre le frisbee ici. On va empiler les vêtements.
Ah, mais il faut aussi un endroit où mettre les chaussures. Eh ben, on va mettre les haltères là-haut. Elles ne devraient pas rouler, donc il n'y a pas de danger. Quelle idée d'avoir autant de chaussures. Quelle idée d'avoir autant de chaussures. On peut pas faire entrer ça ici, donc on va le faire entrer ici et on va faire entrer ça ici. Pas grave si c'est pas très bien rangé. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça peut être juste good enough. On met la casquette ici, ouais, comme ça c'est bien. La peluche moche, on la met ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, il nous en reste plein des choses. Des livres, c'est bien. Ah, la belle peluche. J'aime bien cette peluche de chat. Qui sont pas censés être là et il y a des objets qui sont censés être là aussi. Donc on va prendre le dé qui a sa place ici. Il se sent vraiment bien à sa place ici, le dé. On va mettre ça ici. Peut-être qu'on peut, voilà, le réorienter. La petite tour de Pise, on va la mettre ici. La tour Eiffel, on va la mettre à côté parce que c'est géographiquement accepté. Les livres. On va ça et on va bouger les livres et venir voir ce qu'on peut faire ici. Donc, est-ce qu'on peut en mettre? Non, on peut pas. Lui, il a peut-être sa place ici. Non, clairement pas. Je sais pas du tout où est-ce que ce livre y va. Bon, déjà il reste un petit peu de place sur cette étagère, donc on peut arranger ça. Est-ce que les trucs à la salle de bain sont bien? Les trucs à la salle de bain sont bien, ok. Est-ce que les trucs à la cuisine sont bien? Non. Pas tout est bien. Hello, Cupcake. How are you doing? On met ça ici. Mmh.
L'huître, on peut la mettre là. L'albon, on peut la mettre là. Non. Ça c'est l'uniforme en fait. C'est pour la cuisine, c'est pour la chambre. Faire ça. C'était un koala. Bon, il y a des perruques. J'avais pas vu qu'il y avait des perruques là-haut. Où est-ce que lui il va? Ah, mais si je mets ça là, je peux plus mettre la GameCube. Quelle hérésie! 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 C'est quel jeu ça en plus? Ouais, je reconnais pas. Ok. Donc la maison est bonne. On a un pack. Bien comme ça. Ça me paraît bon.
Ouais, ça me paraît bon, je suis content avec ça, ça me plaît. Oh. Bon allez, on est en quoi, 2009? 2010. Waouh. C'est un pot à fleurs ou c'est un bong? Ouais, c'est un pot, c'est un... On va appeler ça un pot à fleurs. État des lieux. Ouais, c'est le pot de chambre. Tout à fait. Oh, regarde-moi ces toilettes. Vas-y, j'espère que le siège il est chauffant. Bon, pourquoi je continue de mettre les brosses à dents par terre? Il faut pas. Un peu d'hygiène dans ce monde. Dans ce monde sale. Vas-y, mais c'est un artiste qui vit ici. On cache le logo du frigo. La boîte à cookies. Ok, d'accord. Ah, mais c'est ça, c'est... Regardez ça. Ils ont le setup pour le café. Vous savez, le petit truc où vous faites... on moule les grains, puis ensuite... On utilise le petit truc là avec des aiguilles. Enfin, c'est un nouveau truc là que j'ai vu sur YouTube. C'est le café qui va beaucoup trop loin. Moi je dis il faut pas. Faut s'arrêter. Il y a un moment où il faut pas être. Wow. Qui a besoin d'aussi petite quantité? D'accord, quelqu'un peut s'acheter des condiments pour de vrai maintenant. On va dire fake ce que j'avais dit pour les prises d'ailleurs. Voilà, on fait ça, on n'obstrue pas vraiment totalement les prises. Oui, c'est du sel himalayen. C'est le sucre pour le café, pas pour les cookies. Mec, j'y connais rien. Hein. Moi, tu viens, tu me parles de café, je te regarde, je te dis ouais, ok. Mauvaise réponse. La seule bonne réponse, c'est du thé. Bon, il a un rice cooker. Est-ce qu'il y a un air fryer? Vas-y, sors le air fryer. Ouais, c'est un laptop, ça. C'est un laptop. Wait. On va mettre ça là. Ça m'éclate. Ça va à la salle de bain. What? Mais c'est quoi ça? C'est le gratte pour le gratte truc là. Je sais même pas à quoi ça sert ça. Faut m'expliquer. Je ne comprends pas la science de tous ces gratte trucs bidules. À se laver le dos. Ouais. Mes mains et du savon, ça suffit très bien. Ça fait même tellement bien le boulot. Il a pas de bureau? Ah, il a pas de bureau, le pauvre. Oula, pauvre, parce que je vais encore découvrir des sous-vêtements. Ah non, ça pourrait être un monsieur. Voyons voir. Ouais, c'est un monsieur cette fois. Peut-être pas un monsieur tout le temps. Ou peut-être. Ok, d'accord, c'est sa copine qui emménage. J'ai rien dit. Ok, c'est sa copine qui emménage. Mec, déjà, tu vas ranger tes slips correctement. Voilà. Nous sommes civilisés, nous vivons en société.
et on color code. Et bien évidemment, il se fait coloniser par sa copine, donc il ne pourra vivre que dans un tiroir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on se fait coloniser par sa copine. Haha! Meilleur sticker du monde. Ouais. Ça, c'est totalement un pyjama. Donc, madame, elle a le droit à ce tiroir. On va lui mettre ça. On les color code correctement. Nous ne sommes pas des sauvages, nous vivons en société. Tu dis, nous ne sommes pas des sauvages, nous vivons en société. Nous avons tout de même une console, des jeux, des feutres. Des feutres, toujours les mêmes. Des haltères. Si je la pose sur la... Non, ça casse pas. Ok, tout va bien. Il y a du poids là-dedans, hein. Oh, jolie robe. Il a un trou dans le bide, il faut le réparer. Ouais, c'est pas grave, on met les vêtements au même endroit. On dirait un uniforme, on dirait totalement un uniforme. Les uniformes, on les met pas sur des cintres. Les uniformes ne méritent pas d'être mis sur des cintres. Voilà, on va donner l'étagère du dessus à madame, parce que madame mérite de ne pas avoir à se baisser. Uniforme. Je me demande où est-ce qu'elle travaille pour avoir un tel uniforme. Et quelqu'un est diplômé, sauf qu'on peut pas afficher ça dans la chambre. Non, on peut pas faire entrer ça. Ah, on peut le mettre sous le lit. Tout va bien, on peut le mettre sous le lit. On va mettre ça. On peut pas le mettre au fond. On peut pas le mettre là-bas. On peut le mettre là. Bien sûr qu'il y a des talons. Bien sûr qu'il y a des chaussures. Ouais, c'est totalement uniforme hein, tout ça. Hein. Moi je dis c'est un uniforme de fast-food. Hein. Pas de mal à que ce soit un uniforme de fast-food. Je connais des gens qui vont travailler en fast-food. Donc, on va mettre ça dans un coin, parce que je suis bien dans un coin. On va mettre ça ici. Ok.
haltères sur le lit en cas de besoin pour l'autodéfense. Il y a des boîtes de trucs qui m'intimident. Wait, c'est quoi ça? Ah, c'est des plaques. Tout va bien. Wait. Ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il n'y a pas de balai à chiottes. Hein. Dans l'appartement précédent, il y avait deux poubelles, mais pas de balai à chiottes. C'est... comment on fait? Ah, ici, le miroir, il s'ouvre pas. Bah, c'est une downgrade. C'est une downgrade massive. Où est-ce que j'ai mis le gobelet? Donc une seule brosse à dents? Ah, ça pue le célibat. C'est des choses qui arrivent. Soit ça pue le célibat, soit monsieur a besoin de s'expliquer. Ah, c'est parce qu'elle est électrique, bien sûr. Bien sûr, monsieur a la brosse à dents électrique. Ah, ces gens. Tellement de chance. J'avais une brosse à dents électrique quand j'étais plus jeune. J'étais pas fan. Le concept de devoir changer les batteries une fois de temps en temps... ouais, c'est... J'aime vivre sans. J'aime beaucoup vivre sans. Je me dis même que si je peux vivre sans changer les batteries de ma brosse à dents, je vivrai la meilleure des vies possibles. Qui a le temps? Personne. À tout, on se lève le matin, on va au boulot. On n'a pas le temps de venir changer les piles de sa brosse à dents. Donc j'utilisais ma brosse à dents électrique. Pas en électrique. Ça rentre pas. Ok, j'étais juste curieux. Oh, les produits dentaires là-haut. Ok, on va mettre le fil. Voilà, on va mettre... on va déplacer le rasoir. Et mettre le rasoir à côté des produits pour monsieur. Ouais, c'est bon, on va le mettre devant la prise, hein, c'est pas important. On va, j'ai dit, on va déplacer les produits pour monsieur. On va mettre ça là. Comme ça. Bon, allez, on laisse ça là. On laisse ça là. On va mettre les plaques sur le côté. On va mettre les autres plaques sur... Non, on va pas mettre les autres plaques sur le côté, faut pas déconner. Ces plaques, leur place, sont ici. Ok, sur le frigo, c'est bien. Je trouve qu'il y a quand même moins de rangement, hein, pour être honnête. Genre... je trouve que ça respire pas la joie, hein. La part précédente était mieux. D'ailleurs, ça tiendrait qu'à moi, la machine à café, on la bouge, on la jetterait. Hein. Qui a besoin de la machine à café ici? Je veux dire, je bois pas de café. Non, c'est pas d'achievement cette fois. On sait jamais. Où est-ce qu'on peut... On va accrocher ça là-haut. Ah, me dis pas que ça aussi c'est un blender pour le café. C'est quoi ça? Wait, il a un évier au milieu comme ça. Comment ça doit pas être pratique? Ah, je sais pas comment ils font les gens. Hein. Bon, déjà on va venir, on va mettre ça ici. Parce que ça a pas sa place dans ma cuisine, d'accord? C'est ma cuisine. Ici, on boit du thé. Le thé est la seule chose acceptable. Oui, je l'ai dit, je suis un élitiste du thé.
je ne bois pas de café, je n'aime pas le café. Les gens qui viennent, qui me regardent, qui me disent « Tu bois pas de café et t'es développeur ? Tu nous caches quelque chose ? Combien de personnes as-tu tué ?» Zéro pour le moment. Parce que je ne code pas des trucs qui peuvent tuer les gens. Mais un jour peut-être. On va ranger le couteau ? On a sans doute rangé le couteau déjà. Yep, on va ranger le couteau. Ici, on va le remettre. Ici, on va mettre ça. Ici. J'avais reçu une offre d'emploi pour bosser dans un truc qui potentiellement pouvait avoir des conséquences, on va dire, pour être poli. On va dire que j'ai décliné de la façon la moins subtile au monde. J'ai exprimé que je ne voudrais pas être responsable d'un bombardement sur un hôpital qui ressemblerait potentiellement à un avion ou quelque chose. Parce que le but, en fait, c'était que j'aille travailler dans un... J'avais reçu une offre pour aller travailler dans une boîte qui faisait des analyses d'images par satellite. Et bien évidemment, j'ai eu la plus grande des classes pour dire « Ouais, non, désolé, je suis pas à l'aise avec l'idée. » En rétrospective, j'aurais dû rien dire. Mais tu as encore des points de sous là ? Ok, des jeux GameCube. Des livres. Là, on va juste aligner les jeux ici, comme ça c'est fait, ça prendra plus de place. Une poule. Avec le poussin, son deuxième poussin. En vrai, ça aurait été très intéressant de travailler pour la boîte qui faisait les analyses d'images satellites. J'ai juste pas eu de tact. Ou alors j'ai manqué de confiance et je leur ai dit que j'écris des bugs de temps en temps. C'est pas impossible, hein. C'est juste que mes bugs, ils sont pas volontaires, donc voilà quoi. Faire péter un hôpital avec des enfants dedans, c'est volontaire ou pas, c'est pas très cool. Quelque chose que je ne recommande pas. Mais bon, je ne suis pas un expert, peut-être que quelqu'un aura une bonne raison de le faire. Je me suis dit, du moment que ça paye bien, ouais, peut-être. Puis ensuite, tu vois, j'ai quand même regardé la paye et je me suis dit, ouais, non mais... Je sais pas. Tu sais, avoir une conscience derrière, ça semblait un petit peu plus intéressant. Enfin, bonne conscience. C'est pour ça que j'ai pas vraiment pris l'offre. Mais j'aurais peut-être dû, tu vois, quand même la décliner avec un peu plus de classe. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu genre pas fin comment je l'ai fait. Je regrette pas quand même. Hein. En vrai, c'était. Je crois que ça payait un petit peu moins que ce que ça paye. Que ce que je suis payé actuellement. Donc en vrai, tu vois, j'ai gagné. Et de toute façon, j'avais banqué en fait sur la deuxième offre que j'avais reçue qui consistait à devenir CFO ou un truc comme ça. Genre gros big deal dans une entreprise. Sauf qu'en fait, non, je suis pas un gros big deal dans l'entreprise ou quoi que ce soit. C'était un petit peu genre l'offre pour amadouer. Et ensuite, tu viens quand on te dit « Ah, en fait, votre profil, il correspond pas vraiment ». Toi, t'es là, tu te dis, ouais, mais tu m'as proposé quand même, donc sur un malentendu, il correspond peut-être mon profil. Mais je suis très content là où je suis, donc ça me va. Oh, poussin noir, il est mignon.
T'as une factonne de jeux Nintendo, GameCube. Et une GameCube. Vas-y, la Xbox, on peut pas la mettre là, la verticale? Je sais que c'est pas recommandé, mais bon, faut pas déconner. Oh, ok, donc. Voyons voir, où est-ce qu'il y a des trucs qui sont mal placés? Et effectivement, il y a des trucs qui sont assez mal placés. Ça, c'est bien placé. Ça sera mal placé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Y a pas de lave-vaisselle ici. Ah, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, on va ranger ça ici. Ça doit être une décoration. Ça ressemble à une décoration. Bon, on va prendre la décoration et on va la mettre ici. Voilà. C'est accepté. On va dire c'est canon. Si on les met. Non, on peut pas les mettre de côté, sur le côté. Ok. Wait, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. Il y a un mini jardin zen de. C'est mignon ça. Mais j'aurais imaginé que ça doit pas être exactement le truc le plus agréable à avoir quand on a des animaux. Où est-ce qu'elle peut aller la guitare? Non, elle va pas là. Elle va pas là. Y a pas le guitare stand? Eh ben, on verra. Donc là, il y a une factonne de trucs qui sont pas au bon endroit. Ouais, mais pourquoi est-ce que ça serait pas au bon endroit? Il n'y a pas de bureau. Le gars, il est pauvre. Il vit dans la misère. Il n'a pas de. Cuisine, peut-être? Non, on peut pas mettre ça dans la cuisine? Ok, eh ben, on peut pas mettre ça dans la cuisine. Est-ce qu'on va mettre ça au-dessus des toilettes? Non, c'est pas classe au-dessus des toilettes. Allez, on jette les plantes sous ici. Où est-ce qu'on pourrait bien mettre la tablette? Oh. On peut rien mettre là-dedans? Ah, on peut. Ça va ici. Un petit peu embêtant, hein. Si on mettait la poule ici. Ouais, voilà, on va mettre la poule. Et on va mettre les petits poussins. Et bon, on plante en bas l'eau parce que le poussin noir, on peut pas le réunir avec sa famille. Non, c'est pour la salle de bain. Ce que c'est. Ah non, c'est bon là. Ok, le savon. Eh ben, il y aura deux savons sur l'évier. Ici, tout est bon, a priori. Ici. Tout est presque bon.
Tout est presque bon. Il a besoin d'un diplôme de toute façon. Bah non, bah non. Sur le frigo? Non, ça a pas de sens sur le frigo. On avait dit rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Ok, elles sont place ici, là-haut. Ensuite, on peut mettre ça là-haut. On peut pas mettre ça là-haut. On peut pas mettre ça là-haut. Ça là-haut, voilà, rouge, vert et bleu. Ah, mais où est-ce qu'on le mettrait ce diplôme? Ah, c'est compliqué, hein. Parce que si ça tenait qu'à moi le diplôme, bah je le mettrais là quoi, je déplacerais les cadres. On peut les déplacer les cadres, non? On peut pas. What? On peut pas déplacer la guitare non plus. Ah, je coince. Donc il me manque vraiment qu'un objet. Non mais en vrai, entre nous, le diplôme, il sert à rien. Sa place, c'est par la fenêtre.
On peut pas mettre au frigo. Non, non, on peut pas. Je l'aurais mis au four, hein. La télécommande, c'est comme ça. Ok, bah je sèche totalement pour le diplôme. Non, pour de vrai? Je viens de checker en ligne. Diplôme sous le lit, tellement? Vraiment? Je disais qu'il servait à rien, parce que, en vrai, voilà quoi, c'est un diplôme, mais. Ouais, on a à peine réussi à rentrer. C'est incroyable. Ah, je vais quand même faire le gif, hein. Diplôme sous le lit. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Je comprends pas. Donc, on va où là? C'est une dinguerie, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon boulot? Ah non! Ah ok, deux salles quand même. Ok, deux salles. Bon, deux salles, c'est faisable. Le scarabée est encore en vie, what the fuck? Comment est-ce que le scarabée peut être encore en vie? Après tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, toutes les ruptures, toutes les... Je continue de penser que mon personnage est un furie, hein, même si c'est des chevaux, là, qu'on a. Enfin, tout à l'heure, il y avait des poneys. Vous savez ce que ça veut dire, hein, les poneys? Internet historian, Dashcom. Je laisse en bas y penser. On va me dire non, mais non, c'était Tumblr, Dashcom. Oui, je sais, mais. Tumblr, voilà. On avait dit rouge, vert. Vas-y, bleu. Rouge, vert, bleu. Nous avons des standards, mesdames et messieurs. Ce sera toujours rouge, vert et bleu. Avec le dé au milieu ici, Coupe du Monde Football. Oh, qu'est-ce que c'est ce livre? Est-ce que c'est une 3DS? Terminal graphique, laptop, toujours le même laptop au passage.
les feutres, mais cette fois une fuck tonne de feutres. D'ailleurs, ça, c'est le truc dans les crane games au Japon. Des fois, vous pouvez gagner, genre, cette grosse palette de je sais pas combien de feutres, 48 feutres, des trucs comme ça. Je me suis toujours demandé qui est-ce qui a vraiment envie, en fait, de. D'autant de feutres comme ça. Ça paraît être beaucoup quand même. Mais peut-être que voilà, c'est juste que moi je suis pas très attiré par les feutres. Est-ce que c'est vraiment une Magical Girl? Parce que ça, ce truc, ça me fait penser au Magical Girl de Madoka. Et je sais que je suis pas le seul. Le diplôme, on le met sous le lit parce qu'on sait que c'est sa seule place. Wait, on n'est pas censé avoir un poussin noir? Il est passé où le poussin noir? Quelqu'un a kidnappé le poussin noir? Voilà, poussin noir, le meilleur, le best. Le scarabée, on va le remettre là-haut, il aime bien être en hauteur. Ah, je le sais, c'est lui qui me l'a dit. Ouais, hein, furie, hein. Ça, c'est un cochon, mais ça compte, hein. Et... voilà, ensuite, on débalse. Ok, pour les douleurs dans le dos, j'imagine. On va mettre ça à côté de la bougie là-haut. Pourquoi est-ce que les gens mettent des bougies dans les salles de bain comme ça? Genre, est-ce que genre vous les allumez les bougies dans les salles de bain ou quoi? Pour l'odeur, ouais, non mais il y a du Airwick. À la limite. Je sais, c'est chimique, mais une bougie aussi, c'est un peu chimique techniquement, donc. Pas comme si elles étaient toutes naturelles. Hein. Brosse à dents. Ah bah, il n'y a qu'une brosse à dents, ils sont divorcés. Oh, on peut mettre le. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Quelqu'un est retourné vivre chez ses parents. Et s'il y a une pince à épiler, ça doit être pour les sourcils. Je suis sauvage. Ah, il y a une trace de résidu là-dessous. Il faut nettoyer. On va mettre les deux trucs ici. Après shampoing, on déplace la savonnette. On déplace le fil dentaire. Ici. Ouais, ça je sais pas ce que c'est. Ça je sais pas ce que c'est, mais on le met aussi là. On met la brosse à dents ici. Ça je sais pas ce que c'est, mais on va le mettre ici. Ça je sais pas non plus ce que c'est, mais on va le mettre là. On laisse la poubelle là-dedans. La poubelle là-dedans, vraiment. C'est lui une poubelle fermante, hein. Donc on va ranger des trucs. Les haltères, on va les mettre sous le lit. Voilà. Comment ça, c'est pas sa place au sac? Ok, bah on met le sac là. Donc, quand même, là, pour qu'on apprécie le fait que, ouais, le diplôme, sa place, elle est de façon permanente sous le lit. C'est non négociable. Et on a cette petite boîte là de biscuits danois qui sert pour la machine à coudre. On va mettre la DS là-bas, on va garder ça ici, on va virer les livres. On a besoin de faire de la place pour le laptop, qui de toute façon, voilà, il y a de la place pour le laptop, c'est fait. J'aime pas l'ordre des livres ici, les plus gros livres là-bas au fond. On va déplacer le lama. Non, le livre est plus grand, voilà. On va déplacer ce livre ici, ce livre ici, ce livre ici, comme ça. Et ensuite... ouais, voilà. Parce que c'est des livres de musique, on va mettre ça là-haut. Ça, j'imagine que c'est des jeux, donc on va mettre les jeux ici. Une gomme, un pot de crayon... le matos à dessiner, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre là, comme ça.
Donc il manque les deux livres ici qui sont pas à leur place. On peut les mettre ici comme ça. Ça, c'est pas totalement à sa place. What? Why? Vraiment? Ah! Ah! Non, on peut pas? Ok. J'y ai cru. Parce que bon, il a quand même le pin dans l'œil, hein, donc... Même si... En vrai, je sais pas trop... Sous le lit? Non. On va mettre ce poster atroce. Le pire des posters de tous. Non. Ouais, bah je vois pas de poubelle, donc... Je vois vraiment pas ce qu'on doit faire avec. Je vois pas une paire de ciseaux. Et une gomme. Mouais. Pas avec la bougie. Pas avec la bougie. Bah, c'est le seul endroit où en fait elle a sa place, hein, donc non. Ok. Bah, si on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Et oui, la chambre, elle faisait plus grande avant. Genre quand on était tout petit ici, elle était beaucoup plus grande la chambre. C'était il y a longtemps. Bon, j'avais dit que je faisais un stream court aujourd'hui, donc voilà. Je pense que ça va être le moment d'arrêter. Pas envie de continuer plus. Fallait que ce soit de façon un peu court. Donc voilà, merci d'être venu. Personne à raid, non. Personne. Du coup, je vous dis bonne nuit. Merci et à la semaine prochaine. Peut-être que je ferai même un petit calendrier pour commencer le Gundam Full Armor. Parce que j'ai vraiment envie de le commencer, mais malheureusement, j'ai pas la possibilité de me mettre tout le setup. On va quand même voir ce que c'est le prochain niveau. 2013, ouais. Oh, est-ce que c'est un grand appart? Ah, ça a l'air d'être pas trop mal, hein. Nice. J'aime bien le lavabo, même si c'est un petit peu moisi, là. Ouais. Donc voilà. Merci de m'avoir accompagné et bonne soirée.